Il est installé depuis quelques mois seulement, mais Thibaut Fournier a déjà pris le rythme de la vie agricole. Cet Aveyronnais de 30 ans sort tout juste de la couveuse maraîchère de Sainte-Afrique qui accompagne les jeunes producteurs. Il est le premier parmi eux à avoir créé sa propre exploitation. J'ai un peu tout essayé, j'ai profité de la couveuse. On appelle ça espace test. Ça m'a vraiment permis de tester tout un peu. J'ai vraiment mis à tout ce que j'avais envie de faire. Et après, j'ai sélectionné ce qui me plaisait, ce qui ne me plaisait pas, ce qui marchait pas, pour mettre en application ici. Le résultat était une production maraîchère 100% bio, très diversifiée. Donc il y a des plantes tomates, green zebra, ananas, une variété, rose de Berne, estiva. Et pourtant, il y a seulement quelques années, Thibaut n'y connaissait pas grand-chose. J'ai travaillé 5 ans en bureau d'études et en tant que technicien rivière. Et un métier plaisant. Mais quand je regardais sur le long terme, je ne me voyais pas faire ça 40 ans quoi, dans ma vie. Et puis voilà, j'avais envie de rentrer en Aveyron aussi. Et j'adorais le jardinage. Donc je me suis dit, le métier qui va bien avec le jardinage, c'est le maraîchage. Un passé de technicien qui le pousse à expérimenter. Il est un des seuls producteurs aveyronnais à faire du raisin de table. Là, c'est pour solidariser la vigne au piqué là. C'est des liens qui normalement vont rester après, pour la former encore, puisqu'elle est jeune. Moi, c'est ce que je voulais, c'est pas toujours faire la même chose. C'est pour ça qu'aussi, je ne mets pas 3 hectares de salade. Je fais les marchés parce que j'ai envie de un peu toucher à tout, quoi. Et du coup, là, la vigne, c'est encore quelque chose de nouveau, quoi. Une expérimentation qui porte déjà ses fruits. Thibaut espère embaucher une deuxième personne dans les mois qui viennent.